Salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, plan un peu spécial, puisque c'est une vidéo un peu spéciale, c'est un déballage, on va déballer ensemble le nouveau clavier que je viens de m'acheter, le clavier gamer de la mort qui tue, c'est le Corsair K60 RGB Pro ou Pro RGB, alors c'est RGB Pro, gagné, j'avais raison. J'ai quand même dû lire la boîte, c'est scandaleux. Voilà, déballage, allons-y. Voici la boîte du clavier, donc une belle boîte, je trouve. On a une boîte qui est texturée sur le dessus, on a des petits triangles, des petites rainures, je sais pas si on va arriver à le voir correctement. Je vais essayer de vous régler un petit peu. Voilà, vous voyez un petit peu là à quoi ça ressemble. Et tout ça c'est texturé là, c'est assez fin. C'est pas flagrant, mais c'est assez fin, il y a une petite texture. Voilà, donc ça, petite boîte bien sympatoche, je trouve. On nous dit que c'est une disposition de clavier en français, évidemment. Le visuel du clavier en lui-même, avec la référence. Sur le dessus, on n'a rien, la référence toujours, un visuel du clavier toujours. Le dessus est vraiment noir, c'est du noir. Ouais, le contraste noir-jaune fluo comme ça, ça fait vraiment bien, ça rend bien. Sur le côté, ici, la référence toujours. Press the advantage, accent anglais de merde, mais on fait ce qu'on peut. Sur le dessus, toujours la référence, les caractéristiques techniques et les numéros de série que je vais cacher. Alors, dans les caractéristiques techniques, ça me fait bien rigoler parce que il y a un moment, c'est marqué processeur ARM, Cortex 32 bits. Vous lisez en même temps que moi, processeur ARM, Cortex 32 bits. Voilà. Alors, en fait, là-dedans, il y a une petite puce ARM pour gérer tous les modes de couleurs du clavier. Voilà. Sur l'autre côté, toujours rien, la référence avec le visuel du clavier, le dessus on a vu, et ça c'est l'arrière du carton, donc on a toutes les caractéristiques, châssis en aluminium brossé, anodisé, robuste, contacteur de touche mécanique Cherry Viola, rétroéclairage RGB, par touche dynamique avec sous-éclairage amplifié, alors ça je pense que c'est un petit peu de la bullshit commerciale. This is just bullshit. Vous pouvez utiliser ce clavier avec le logiciel IQ, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai une souris Corsair ici, qui utilise le même logiciel IQ, donc je vais pouvoir avoir ma souris et mon clavier gérés dans un seul logiciel, c'est assez intéressant. Effet lumineux immersif avec les jeux compatibles IQ, en gros en fonction du jeu que vous jouez, si c'est compatible avec IQ, avec votre profil IQ, vous pourrez mettre une couleur, un mode de couleur différent en fonction des jeux que vous jouez. Et puis on a une étiquette qui a été collée. Vous voyez ici, c'est Cherry Viola K-Switch Mechanical Linear and Smooth. On va ouvrir la boîte, on va pas se chier dessus. Alors il y a vraiment encore les autocollants. J'ai même pas enlevé les autocollants. Alors comment je vais faire pour les enlever? Je vais utiliser une carte SIM de chez SFR. Voilà comment elle finit chez moi. Elle finit en couteau pour découper des collants. Alors, encore heureux qu'elle finisse comme ça, ça ne coupe pas. Magnifique, vous pouvez le voir en direct live. Ça ne coupe pas, pas de risque donc de vous couper avec cette merde. Même comme ça, SFR, ça marche pas. C'est incroyable, ils vous font chier jusqu'au bout. Bon, écoutez, je vais aller chercher un cutter, de quoi couper proprement, parce que là, je vais encore me faire mal. Donc, preuve qu'SFR, c'est de la merde. J'arrive même pas à couper mon petit scotch avec ça, donc ça... Poubelle. Allez, j'arrive. This is unacceptable. Bien, alors me voici de retour après 2 minutes et l'engin dangereux, c'est le cutter. Allez, hop, on est parti, on va déballer ça. Vous allez passer un excellent week-end, je le sens. Vous allez, alors ne jamais le faire dans ce sens-là. J'avais ma main ici, coupée comme ça. Faut jamais faire ça, faut le faire comme ça. Voilà, faut toujours faire dans le sens opposé de la main. De toute façon, hop, on ouvre ici, petite languette. C'est un vrai déballage. Hop. Tac, alors petit point, vous voyez la boîte s'ouvre comme ça. Elle aurait dû, moi ma logique c'était de l'ouvrir dans l'autre sens, c'était la faire comme ça à l'endroit et hop, ouvrir le capot. Bon, c'est un choix, écoutez, c'est un choix de chez Corsair parce que du coup, quand vous l'ouvrez, vous faites de la pub, vous mettez le truc à l'endroit. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Le clavier qui est à l'envers, je pense qu'ils se sont gourés, je sais pas, c'est assez bizarre, tout est à l'envers, bref. À l'intérieur de la boîte, donc il est noir, c'est beau. Belle boîte, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Super, je suis en galère déjà, ça démarre bien. Donc on a l'intérieur de la boîte qui est noir, il n'y a aucun embourrage par contre, c'est juste du carton noir. On a le clavier qui nous saute aux yeux et on a également ici un petit livret. Hop, petit livret, donc c'est certainement un guide de garantie de démarrage rapide. Bon, on va pas l'ouvrir, ça sert pas à grand chose. Ça doit être ça, c'est guide de garantie, guide de démarrage rapide et d'installation pour utiliser le logiciel également. Donc ça, c'est avec le clavier qu'on va essayer de sortir proprement sans tout casser.
Est-ce que ça s'enlève? J'ai peur de péter le packaging, ça me fait chier. Ok, alors hop, comme ça. On tient. Écoutez, on va tirer, on va voir ce qui se passe. Hop, c'est un clavier mécanique rétro éclairé avec châssis en alu. Voilà, le packaging est un peu mal fait. Par contre, la Corsair, si vous exagérez, je vais être obligé de couper le carton. Non, faut tirer le câble, d'accord, faut tirer le câble. En fait, ils ont passé la tresse de câble dans le trou, mais du coup, pour le ressortir, bah, c'est une misère. C'est une misère. Voilà, hop. Bon, c'est pas très propre comme packaging, mais enfin, ça fera l'affaire. Ce clavier, alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais le répéter, sinon c'est pas grave. J'ai payé 100€ tout pile, 99,99€ pour avoir ce clavier. Bon, c'est pas excessif, il y a des claviers qui sont quand même largement plus chers que ça et qui font bah, pareil. Voilà, on a un petit plastique sur le dessus. Sur le plastique, on a des indications comme quoi il faut pas s'amuser avec, il faut pas le donner aux enfants, etc., etc. Vous savez comment ça marche. Alors, on va couper le scotch. J'ai un cutter, je m'en sers pas. Je vais couper le clavier, c'est tout ce qui va arriver. Donc, hop, attention, toujours la sécurité. On coupe dans le sens opposé de la main. Paf. Voilà, on va tirer ça. Ah, putain, ils recommencent avec leur fil. Ah non, c'est bon. Ah, hop. Oh là là. Je me bats avec. Je me bats avec. Donc voici le clavier. Il est magnifique. Enfin, il est magnifique. Non, c'est juste un clavier. Donc les touches AZERTY classiques, les touches fonction avec quelques raccourcis là-haut pour le son. Donc volume haut, volume bas, mute. On a une touche Winlock, je crois, qui permet de verrouiller le bouton du menu démarrer. Si jamais vous venez appuyer dessus, ça fait rien. Voilà. Si vous êtes en jeu, c'est assez pratique. On a des touches de lecture, play, pause, etc. Un pré-écran, etc., etc. On a un pavé numérique. On a le logo Corsair qui est placé discrètement ici là-haut et des petites diodes de fonctionnement. Donc on a, vous savez, le verrouillage de la majuscule, le pavé numérique, etc., etc. Comme un clavier classique. On a le rappel de la référence ici en bas. K60. C'est très discret, franchement c'est beau, c'est bien, belle touche. Je vais vous faire écouter le bruit que ça fait. Apparemment il est très silencieux de ce que j'ai lu comme revue. Et le fond du clavier, donc ça c'est le, voilà, le fond tout simplement avec les petits pieds en caoutchouc. Et on a également des rehausseurs ici que je n'avais pas sur mon Dell qui va partir, hein. ça dégage poubelle. Alors c'est pas un clavier qui fait masse de bruit, je suis assez étonné d'ailleurs, ça fait pas du tout masse de bruit. Je m'attendais à un truc un petit peu plus clic clic clic, et là non, c'est très doux, tant mieux, hein. Bon, on verra bien sur la longueur ce que ça donne. L'aluminium ici très froid, vraiment, et c'est vraiment de l'alu. C'est, quand je tape dessus, ça fait vraiment ding ding comme une plaque de métal, quoi. C'est assez bluffant. Petit câble USB-C de l'USB 3. Pareil, le câble USB est pas mal. Il y a des bords arrondis, j'aime bien ça. Les câbles USB avec un bord arrondi comme ça. Après, bon, le fil en lui-même, ça n'a pas l'air d'être du fil de ouf. C'est pas tressé. C'est juste un câble classique. Là-dessus, j'aurais peut-être pu mettre un câble tressé. Voilà, je pense que ça n'aurait pas coûté grand-chose de plus. Voilà, donc pour mon premier avis. Alors, je suis assez surpris de la qualité. Voilà, pour 99€, allez, 100€, on a un truc qui est franchement très 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 bien. Bah c'est tout, hein, c'est déjà la fin de la vidéo, on a déballé le clavier. Donc je le prends le temps de le tester et je vous redonnerai mon avis d'ici la semaine prochaine si ça vous intéresse. Vous le sentez, le mec qui a pas voulu s'emmerder à mettre tous ces trucs de trépied, etc. C'est scandaleux. Vous savez tout, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On a passé la barre des 1700 abonnés. Merci, merci vraiment beaucoup du fond du cœur. On se retrouve la semaine prochaine dimanche à 11h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter et Instagram, tout est dans la description. Instagram, très important, je poste beaucoup de trucs sur Instagram. Passez un bon week-end, à la semaine prochaine, dimanche 11h pour une nouvelle vidéo. C'était Seb, ciao ciao.